C'est un système à double lame. Bonjour tout le monde, présentation du rabot sans fil 18 volts de Popoman. J'ai demandé à Popoman s'ils pouvaient m'envoyer ce produit pour faire un test vidéo, ils ont accepté. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation, la tension nominale 18 volts, la vitesse à vide 12 000 rotations minute, la largeur de la base 82 mm, la profondeur maximale 8 mm et la profondeur de coupe maximale 1,5 mm. Une batterie 18 volts Popoman, celle-ci est vendue partiellement chargée, vous devez la charger avant la première utilisation. A noter que la batterie est compatible avec tous les outils 18 volts Popoman, Techpo et pas que. Un chargeur très rapide, il chargera les batteries de 4 Ah en 60 minutes et les batteries de 2 Ah en 35 minutes. Un sac récupérateur des copeaux, un petit guide gradué jusqu'à 20 mm avec un petit élément de serrage et le rabot 18 volts Popoman. Vous avez une sécurité pour les droitiers et les gauchers, le bouton de fonctionnement, la sortie des copeaux à ce niveau-là, mais vous pouvez également tourner et elle sortira à ce niveau-là. On pourra y connecter le bac de ramassage des copeaux ici, mais également de l'autre côté. Un aspirateur, vous voyez, ça rentre, il n'y a pas de problème, également de l'autre côté. Sur la partie arrière, vous avez le logement pour la batterie. Vous avez un petit élément de support automatique pour pas que la lame soit en contact. À ce niveau-là, vous avez un range accessoire avec une petite clé cipant et une clé de montage. Alors sur la partie en dessous, faites très attention, vous avez la lame. Vous voyez à ce niveau-là. Par contre, vous voyez, vous avez deux lames. C'est un système à double lame. La largeur de rabotage, on est sur du 82 mm. La semelle au total, on est sur du 27 cm. Sur la partie avant, pour régler la profondeur de rabotage, ça va de 0 jusqu'à 1,5 mm. C'est gradué par millimètre. Vous avez une rainure en V à ce niveau-là. Au niveau de la stabilité de la partie avant, vous voyez, il n'y a pas de problème. On a une bonne stabilité. L'outil est compatible avec toutes les batteries de la gamme 18 volts Popoman, mais également Techpo. Là, d'ailleurs, je vais continuer avec une batterie Techpo. On est sur du 11 400 rotations minutes. Avec la batterie de 4 ampères, on est sur du 3 kg 100. Zéro cinq, zéro cinq, zéro six, zéro six, 1,5. En tout cas un excellent résultat, belle performance. Vous voyez, là j'étais sur 1,5 mm, en tout cas pas de problème. Vous voyez, ça a bien raboté sur toute la largeur. Également, il n'y a pas du tout de copeaux.
Bon, le sac, ça fonctionne bien. Ça se replie tellement vite que c'est presque inutile en fait. Sur Amazon, j'ai acheté des lames Rabot Bosch. On va voir si elles sont compatibles avec le Rabot Popoman. Pour desserrer, on va dans ce sens-là. A noter qu'à ce niveau-là, ça se baisse. Et comme ça, on pourra retirer et remettre une lame plus facilement. Là, c'est la Popoman et là, c'est la Bosch en bas. En termes de longueur, c'est exactement pareil. En termes de largeur, c'est exactement pareil. Vous voyez, la forme est totalement identique. Par contre, la lame Bosch, elle pèse 5,28 g. Et la lame Popoman, on est sur du 3 g. Ensuite, on glisse la lame. Ne commencez pas par serrer fortement un côté après les autres. On serre légèrement. Et après, on commence à serrer un peu plus fort. Et là, vous voyez la lame Bosch. Je vais faire pareil avec l'autre lame. Bon, à noter que les lames, que ce soit Popoman ou Bosch, elles sont réversibles. Là, vous voyez déjà sur un passage. On va essayer 0,2 mm. Un millimètre. Un millimètre et 0,5 millimètre. Thank you.
Vous voyez, donc là, il me reste deux niveaux de batterie. Bon, bien entendu, il ne faut pas reproduire. Mettez-vous sur une épaisseur beaucoup plus fine et n'attaquez pas aussi rapidement. Voilà pour la petite augmentation du rabot de Popoman. Au niveau des avantages, on a une bonne performance. Un système à double lame. À ce niveau-là, ça se baisse, ce qui permet de retirer facilement la lame. Un range accessoire. Il est inclus avec une batterie de 4 ampères et un chargeur rapide. La batterie est compatible avec tous les autres outils de la gamme Tecpo, Popoman et Ishika. On peut choisir le sens de sortie des copeaux. On a une très bonne stabilité au niveau de l'avant du rabot. C'est un diamètre classique au niveau des aspirateurs. On a une bonne finition générale. Un petit support de maintien à l'arrière. Au niveau des lames, c'est du classique. Par exemple, c'est compatible Bosch. Au niveau de la semelle, rien à signaler. Au niveau des points négatifs, sur les petites hauteurs de rabotage, généralement de 0,1 à 0,5 mm, bah finalement, ça rabote pratiquement pas. Après, il y a peut-être possibilité de relever les lames. Dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Donc si ce produit intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.